Bonjour les amis, on se retrouve dans Avatar Frontiers of Pandora sur PC et on va continuer l'aventure, c'est parti! Dans l'épisode précédent, on était allé ici au laboratoire du Vertige, mais on ne peut pas y voyager parce qu'il est pollué, et il est pollué en fait par le truc ici, le point de repère là, qui est une espèce de site de forage, et donc on va aller détruire ceci pour que le site soit dépollué et qu'on puisse récupérer ce point-là. Donc on va partir de la merveille du tisseur, c'est un camp, donc le camp central, l'arbre maison, se trouve ici, et l'autre camp se trouve là, tout près du cas de Kinglore, ici, voilà, ici. Et on va partir d'ici, la merveille du tisseur, et direction là-bas, pour aller détruire ce silo qui pollue tout. Et on a repéré déjà ici aussi encore un autre camp, une autre base qu'on va faire aussi. Donc il y a de quoi faire, hein. Il y a plusieurs choses à détruire. On va commencer par détruire. Oui, il y en a même deux. Il y en a même deux. On va d'abord détruire celui-ci qui se trouve là, le repère là. On va commencer par celui-là. Il y en a encore un là aussi, décidément. Il y en a plusieurs, hein. Donc on va prendre la tour de forage ici. C'est vraiment le plus simple. On va partir sur celui-là d'abord. Et comme ça nous permettra aussi de débloquer celui-là après. Donc on va déjà faire ça. On va ici au point de repère. Elle Je vais le appeler respecte, Licrane pour voler. sauf qu'elle n'est pas du genre humble. Il n'est Attendez, hein, peut-être il faut pas que je trop sorte de tard là. pour apprendre, même à J'avais son pas âge. remarqué qu'il y en avait carrément deux à détruire. Donc à la limite, on détruit les deux. Allez, c'est parti. Direction le premier. Alors, il faudra faire attention avec l'Icrane de ne pas se faire abattre. Il y a souvent des défenses anti-aériennes. Donc, on va atterrir un petit peu plus loin et on va infiltrer la base et détruire tout ce qui s'y trouve. Et puis, on ira libérer le labo. Excusez-moi, on y est déjà. Hein. On atterrit. Voilà, on descend. Et c'est parti. Oh là là! Je sais pas ce que j'ai fichu. La tour pneumatique alpha. C'est parti. Alors, on va tenter de la détruire gentiment, sans prendre de risques. On va commencer par marquer nos cibles. Le mieux, c'est essayer de détruire ça tranquillement, sans se faire choper. Il n'y a pas énormément de gardes, j'ai l'impression. Alors, je vais vous montrer exactement où on est maintenant, hein. C'est peut-être le plus simple. On est vraiment ici. J'enlève le point de repère. On est vraiment là. Ça pollue toute la zone ici. Et donc, la rivière filée est là. On est ici. Vous avez ici la drague Alpha, l'installation minière de la RDA. Et ici, vous avez le fameux laboratoire du Vertige. Et vous avez encore une zone polluée ici, mais ce sera pour plus tard. Donc on va faire celle-ci. C'est parti. Je déteste porter ces exopacks toute la journée. On va s'infiltrer gentiment. Bizarre. Oh, il m'a repéré tout de suite. Alors, comme il m'a repéré, on va faire le tour pour pas se faire choper par l'autre. Voilà, comme ça. Un peu d'action, oui, c'est sûr, ça, tu vas en avoir de l'action. Alors, le soldat est là-bas. Essayez de lui tirer dans le dos. C'est bien parti. Zut, il faut lui passer dans le dos, hein. C'est vraiment l'idéal. Oh, papa, tu m'as vu. Ouf, j'ai du bol. Il m'a pas vu. J'attends qu'il soit de dos et je vais lui mettre un coup dans le réservoir derrière, là. Ah, comme ça, on n'en parle plus. Les autres s'énervent, mais c'est pas grave, on va faire le tour. Mais je sais pas sur quoi ils tirent. Par contre, eux là, ils m'ont repéré. Bim. Il y en a encore un. Bim.
Les deux autres, je sais pas où ils sont. Je continue à faire le tour. Ah, il y en a un là. Ce qu'on peut faire, c'est prendre le fusil à pompe. Et surprise. Voilà. Généralement, c'est assez efficace. On a un autre qui arrive. Pareil, il y a même punition. Voilà. Bon, ils sont un peu trop loin. Je me soigne comme ça. Voilà. On y va un peu comme une brute, hein, mais pourquoi pas. Cinq flèches de plus. Je sais pas s'il reste encore des ennemis ou s'ils sont tous morts. On va vite le savoir. Ce truc là, faut tirer dedans. Non, faut aller l'ouvrir. Où est-ce qu'il est maintenant? C'est plus bas. Zut. Je crois que c'est plus bas. Ouais, c'est là. Saboté. Il y a encore un truc à détruire. Ah bah ce truc là. Et on tire dedans. Et c'est terminé. Vite fait, bien fait. Hein. On saura pas traîner. Ça suffit pas. Il y a encore le générateur à détruire. Ah, il y a encore un truc à détruire. Où est-ce qu'il est le générateur? Où est le générateur? Bon, on va reprendre des munitions. Des robots. Voilà. Bon, on va essayer de choper le générateur. Je sais pas où il est. Il devrait s'illuminer en théorie. Hein. Ah, ben voilà, il s'illumine. Le voilà, le générateur, c'est ce truc-là. Tire dedans ou quoi? Ah bah voilà. Je pense que c'est terminé. L'intérêt plein. C'est plein. Là y a rien. Détruire les ventilations d'urgence. Là je crois qu'il faut se mettre en bas. Ah, il faut se mettre en bas. Il faut les tirer verticalement. Enfin verticalement. Dans le sens de l'ouverture. Maintenant. Et voilà. Une tour de moins. Alors on va faire le labo. Qui est pas loin. Mais avant on va voir s'il n'y a pas des trucs à récupérer. Faire le tour du site. Tour pneumatique alpha détruite. On voit des trucs là-bas. On va voir pour faire du l'équipement. Voilà. En même temps, on prend ça. Il y a certainement encore des choses à récupérer. Bon, ça, je crois qu'on avait fait. Ah, une caisse ici. Là, c'est bon. Ici, une caisse là. Une ration. Une caisse ici. L'inventaire est plein, c'est des munitions spéciales. Là, il n'y a rien. Ici, il n'y a plus rien non plus. Là, il y a des pièces. C'est plein. Là, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Et là, pas l'impression d'y avoir quoi que ce soit, on dirait. Je ne vois plus rien. Donc, ce site-ci, c'est OK. On va aller faire le labo maintenant qu'on a vu. Le labo qu'on a vu, il était là. Donc, on va aller faire le labo ici. C'est bizarre qu'on ne l'ait pas encore fait.
On va reprendre la monture. J'espère qu'on va savoir l'invoquer ici, dans le camp, maintenant que c'est à nous. Oui, on peut. C'est parti. Alors, c'est à 500 mètres. Alors ici, on va récupérer peut-être des soins. Il y a moyen certainement de récupérer. Oui, j'en vois. On va atterrir. Parce qu'il y a des soins à récupérer ici. Donc on va pas se priver. Voilà. Ici. Voilà. Ça, c'est bien. On reprend la monture. Et c'est parti. Yeah. Il y a probablement un labo dans le coin. Je suis quasi certain. On atterrit. Le laboratoire de la vallée Sylve. On va prendre notre outil. Alors, ça a l'air d'être de l'autre côté. Tiens. Ah, c'est par ici. C'est fait. Ça a pas l'air bien compliqué celui-ci. Et voilà, déjà fait. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Fortement pollué. Ici, il y a des pièces. Donc, le labo, c'est fait. Maintenant, ici, on a le camp. Là, on a la grotte. Donc, c'est parfait. Ah bah, dites donc, c'est très très bien tout ça. Ici, c'est fait. C'est dépollué, c'est dépollué. Là, qu'est-ce qu'on a? Une image mémorielle, tiens. C'est quoi, ce truc-là? On verra ça plus tard. J'avais encore repéré un autre site ici. Donc on va aller maintenant. On va directement aller, on peut pas aller au labo. On va se téléporter peut-être ou pas. Est-ce qu'on est très loin? On est quand même assez loin. On va se téléporter ici quand même pour que ce soit plus près. Alors on va partir de là. Niveau énergie, on va manger un repas et on va en cuisiner un. Ah ben non, je vais prendre une ration, parce que j'en ai plein des rations, je sais plus quoi en faire. Je vais plutôt prendre une ration, je pense. Ouais, j'ai une ration ici, je vais prendre la ration là. Ça m'évitera d'utiliser un repas. Et on va se téléporter. Enfin non, on va pas se téléporter, on va prendre le... On va prendre le... La monture volante, le crâne. Il a vraiment l'air d'aller toujours se mettre bien loin. Allez, on monte dessus. Je vous montre où on est. Donc actuellement, on est ici. Au camp Navi du Tisseur. Et on va aller dépolluer la zone qui se trouve là-bas. Parce qu'on avait débloqué le labo, mais il fallait aussi dépolluer la zone. Ici, c'est ce qu'on va aller faire. Et donc, si vous voulez voir par rapport à l'arbre monde... Oh, je ne sais même pas où il est. Il faudrait voir ici. L'arbre monde est là. Donc l'arbre maison. Et donc on est ici au camp du tisseur. Et on va ici passer au-dessus de la base. Et aller là-bas. C'est parti. Après il faudra aussi voir ce qu'on fait avec nos points de compétences. J'ai assez envie de les mettre dans la monture volante. Parce que ça peut être bien. Ah, c'est quand même bien loin. Ça, c'est le fameux labo. Maintenant, on est à 1 km. Il faut faire gaffe de ne pas s'approcher trop près. Sinon, on va se faire tirer dessus. Donc, on va atterrir un peu avant. Bon, comme on l'a déjà repéré, on sait plus ou moins où elle est. Enfin, en théorie. Quelque part dans le coin. Je vais quand même ouvrir mon... Oh, on est vraiment tout près. Elle est vraiment là. Je
pense que je vais atterrir déjà. Il y a une autre de ces VSM. Wow, 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 on est trop près. Trop près, trop près, trop près. On va atterrir ici. Voilà. Ça, c'est bien. On va prendre l'arc lourd. Et j'ai vu où c'était, mais j'ai déjà oublié. C'est quelque part. Ah, ben bon, on voit la fumée, hein, donc c'est bon. C'est par ici. Ouais, on voit des ennemis à travers les racines. C'est bien, bien pollué dans le coin. Ah, on y est. On y est. Bon, je suis tombé dans le truc. Structure VSM, bravo. On arrive carrément... Ah oui, carrément. Je vais quand même les marquer. Si j'y arrive, oui. Et lui. Voilà. Je vais déjà essayer de tuer le soldat de très loin. Celui-là, au moins, il m'embêtera plus. Oh, il y en a un là-bas en bas. C'est une belle cible de dos. Je vais essayer de la voir, mais faut pas que je me fasse tirer voir par l'autre part. Oh là, il m'a vu. Oh purée, il m'a vu. Vu, mais c'est pas très grave. C'est pas net, ça. Je vais aller voir. Qu'est-ce qu'il fait? J'aime vraiment pas ça. Je vais tirer dans le dos. Hein. C'est plus simple. Ah, zut. Zut, je le vois plus. Et voilà. Une bonne chose de faite. Il y en a un autre qui s'approche. Forcément, il a été attiré par... par le tir. Ouf, celui-là, je vais le désinguer d'abord. Un de moins. Encore un défi complété, génial. C'est une flèche, ça ? Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Bon, on va prendre le fusil à pompe. Il a l'air bien excité. Voilà, coup de fusil à pompe, ça va bien calmer. Je me fais tirer dessus par l'autre part, je sais pas par où. De là. Je sais pas s'il est mort, non. Voilà, là, je prends beaucoup de dégâts là. Voilà, c'est pas vrai. Énormément de dégâts là. J'ai un peu fait n'importe quoi. Bon, je passais par en dessous les racines. Ça va me permettre de contourner. On va faire des munitions. Et voilà. Où est-ce qu'ils sont... Ah oui, ok, j'en vois un là. Où est-ce qu'ils sont passés? Probablement qu'ils me cherchent dans l'autre sens. Ouais, ils me cherchent là-bas. Ok. Il y en a qui me voient là. Ils arrêtent de chercher. Ouf, il m'a repéré. Voilà d'où il vient lui. Ah, je vois pas que la végétation. Purée. Avec les végétations, j'ai du mal. Hein. Bon, j'y allais de front maintenant. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Où est le dernier robot? Oh, il est là.
Voilà. Terminé. Ah, j'ai tout su. Récupérer ça. Ça, on va le neutraliser. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire là-bas? Je vais essayer de trouver le conteneur de munitions spéciales aussi pour refaire le plein. Parce qu'il faut refaire des trucs ici. Non, non, non. Ok, on peut l'enlever. Ici. Parfait. Ah, il faut s'occuper de ce machin-là. Oh, munitions spéciales. Bon, on va prendre ça. Et hop là. Et ici, des soins. Parfait. Je vais quand même essayer de trouver un petit arbuste le long de l'eau pour se soigner. Est-ce que c'est déjà fini? Tirer sur le réservoir du fluide hydraulique. Où est-ce qu'il est ce truc là? Là-bas. Il faut tirer dessus? Ouais, il faut tirer dessus. Pas de problème, on va faire ça. Où est-ce qu'il est le fameux réservoir? Ah, c'est ce truc là, ok, très bien. Ça va pas être difficile, hein. Bim. Ah tiens, ça va pas marcher. Voilà, faut tirer deux fois dessus. Et c'est terminé. Encore une bonne chose de faite, structure VSM Bravo détruite. Repris pour Pandora. Voyons voir s'il y a encore des choses à récupérer dans le coin. Une grosse caisse ici, tiens. C'est quoi ce truc là? Qu'est-ce que j'ai repéré? C'est ça. Un mode de gant noble. Ici, l'inventaire est plein. Là, c'est des munitions spéciales. On est plein aussi. Moi que je puisse recharger le fusil, mais je crois pas. Et pour le reste, on est bon. On va voir s'il y a d'autres choses encore à récupérer dans le coin. J'ai rien oublié. Hop. Ça a l'air bon. Ah, encore une caisse ici. Non, elle est vide. Celle-ci, on l'a déjà faite. Moi, je crois que c'est bon. Ah, et encore un truc là. Des grenades, mais j'utilise jamais les grenades. C'est un truc que j'utilise pas. Ah, une caisse encore ici. Non, l'inventaire est plein aussi. Bon, ben voilà, je crois qu'on a tout fait. Bon, alors, ça c'est fait. La base a été faite aussi. À la limite, ce qu'on va faire, c'est traverser comme ceci pour enlever la zone. Ouais, on va faire ça. On va aller par là. Simplement pour explorer un petit peu et voir ce qu'il y a là dans la brume. On va faire ça. Et en même temps, on va essayer de trouver des trucs de soins. Donc on va appeler les crânes. Voilà. Et c'est parti. Faire un petit peu d'exploration pour finir le let's play. Voir s'il y a encore des choses qui traînent. C'est parti. Et en même temps, si on voit un truc pour se soigner, on s'arrête le long de l'eau. Déjà ici, à mon avis, il y en a à voir. Est-ce qu'il y en a ici? Il n'est pas censé manger quand il va au-dessus de l'eau, lui? Ah, ici. Alors, on va faire ça. Où est-ce que c'était? Hop, ici. Normalement. Et voilà. Et un. Et deux. Voilà qui est fait. On reprend les crânes. Montrer les commandes des crânes. Alors. Sauter en plein vol. Virer à gauche, virer à droite, viser libre. Contrôler les crânes pendant la visée libre. Accélérer, ralentir. Tiens. Je sais pas comment on le fait manger. Au-dessus de l'eau. J'ai peut-être pas encore l'option, je sais pas. Allez. On avance, on va explorer la zone ici. Voir un peu ce que ça donne. On repassera s'il faut, encore une fois. Mais au moins, ça nous donnera des nouveaux points d'intérêt à faire pour le prochain let's play.
600 mètres, on couvre bien la zone. On est maintenant à 80 mètres, on s'arrête. Ok, ça c'est bon. On va maintenant partir dans cette direction-là pour enlever le nuage là-bas. On va même aller par là. Et c'est reparti, on part dans l'autre sens. Et on réexplore. C'est parti. C'est quoi ces machins là en fait? J'ai un petit regardé ce que c'est ces trucs qui flottent là, je vais m'approcher. Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? C'est des bouts de rochers qui flottent ou? Ah, c'est des trucs à mon avis de la RDA hein, ça. Survey Wing Ballon. Ah oui. On peut atterrir dessus. Ah oui, carrément. Bon, on va continuer à explorer parce que j'ai un peu dévié de ma trajectoire. Donc on pourrait carrément atterrir dessus en fait. Bon, on y est. C'est fait. Bon, il n'y a plus rien ici. Hein. On a bien tout fait. Par là, on va pas aller. C'est un peu dangereux. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait ici, cette partie-ci? Ben, écoutez, on va passer ici, juste pour voir ce qu'il y a. Et voilà, c'est parti. On va explorer un tout petit peu pour finir le let's play. Hein. On va sûrement encore découvrir plein de choses. On a encore au moins deux quêtes à faire, puis on pourra continuer les quêtes principales. Il faudra aussi distribuer les points de compétences, je pense que j'en ai pas mal. Même si c'est dommage, les bases ne donnent pas de points de compétences, c'est bien dommage. Ah, ce truc-là, je me demande vraiment... vraiment ce qu'il faut en faire. Est-ce qu'il faut les détruire ou pas? Mais je peux pas les détruire, je peux pas tirer dessus, je peux pas tirer en vol. Est-ce qu'il y a des choses dessus? Ah, je peux atterrir dessus, mais quel intérêt? Je sais pas. On verra plus tard. Alors, on y est déjà quasiment, ça va très très vite. Hein. On est à 200 mètres, voyons voir. On est là. Ah, on a trouvé ici quelque chose de nouveau. Ce qu'on peut faire, c'est aller par là maintenant. On va faire en diagonale comme ça. Comme ceci. Ah, c'est bien, mais il va falloir quand même encore redresser pour refaire un deuxième passage pour tout avoir. Donc là, on est plus ou moins bien, on peut encore avancer un petit peu. Puis il faudra bifurquer. Voilà, là c'est bien, on va bifurquer au milieu là. Donc par là. Allez, on bifurque. À la limite, on plonge, prendre la vitesse. Ok, qu'est-ce qu'on a? Enfin, encore un petit peu de trucs ici, encore un petit peu de brume. On va dévier un petit peu par là. C'est quasi bon. On va encore aller un petit peu par ici. On va passer entre les deux.
Qu'est-ce que ça donne? Ah ben voilà, maintenant on a enlevé quasiment toute la brume, il en reste un tout petit peu là. Comme ça au moins on aura tout. Tout fait. Et on aura tout exploré là. Donc en finalité on a trouvé qu'un seul truc ici. Il y a une base là, donc il y a une base à faire. Il y a un extracteur de gaz qui a été fait, il y a un labo encore à faire ici, plus tard. Donc ça on pourra le faire, on va déjà le marquer. On pourra le faire plus tard. Et alors on pourra explorer toute la zone ici à partir de là. Donc maintenant on va retourner à la base. Voyage rapide. Et ce sera tout pour ce let's play. Je vais aller voir s'il y a des nouvelles choses. Je vais distribuer mes points de compétences. Je vais me faire un petit repas. Ou je vais prendre une ration de la RDA. Voyons un peu ce que je peux faire. Normalement, j'ai encore tout ce qu'il faut pour faire un repas. Je vais pas encore régénérer mon énergie. Je le ferai la prochaine fois. Voyons voir un petit peu. Ici, qu'est-ce que j'ai? Un point de compétence seulement. Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Je vais garder pour plus tard. Et normalement, j'ai l'icrane qui chasse quand je vais au-dessus de l'eau, non? Votre icrane peut attraper du poisson volant au ras de l'eau profonde. Le poisson lui permet de régénérer son énergie. Mais il le fait automatiquement, à mon avis. Augmente l'énergie obtenue lorsque votre icrane mange du poisson. Ok, bon, mais normalement, ça devrait marcher. On va aller voir si on a des nouveaux plans ou quelque chose. Pas ici. Tu cherches une amélioration. Pas de nouveaux plans. Ouvre l'œil, mon enfant. Est-ce que j'en suis dans les faveurs de clan? Alors, voyons voir ça. Est-ce que je peux voir ça quelque part? Non, pour le voir, je dois, à mon avis, parler à quelqu'un. Alors, tu cherches une amélioration. Oui, ça va, hein, j'en ai pas mal. Mais à niveau élément, c'est pas génial, génial. Convenable, noble. Noble, convenable, c'est pas terriblos, terriblos, hein, en finalité. Je vais les garder pour autre chose. Ouvre l'œil, mon enfant. J'ai un peu acheté ce qui avait de plus intéressant, ce qui est un peu un problème. Maintenant, pour manger, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis pour manger? Voyons voir ça. Ton ego est tout aussi fragile. Ouais, j'ai toujours mes trois trucs, j'en vais rien cuisiner, je vais manger ça. Voilà, j'en trouve partout, de toute façon, voilà, on est bon. Et bien voilà, on va arrêter le let's play ici, et dans le prochain let's play, on ira faire le labo et compagnie. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Avatar.